va bien. En tout cas, moi, aujourd'hui, ça va super. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Effectivement, moi, je vais super bien aussi, Sindel. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait? Explique-nous tout. Eh bien, évidemment, c'est une vidéo, mais cette vidéo, ça va être une dégustation, c'est ça? Miam, miam, oui, exactement, c'est ça. Le chocolat Noël. Exactement, alors, on va tester. Oui. Alors, on va vous dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Ouais, alors il faut savoir que c'est une chaussette de Noël de chez Aldi. On n'avait jamais pris et donc on avait envie de tester parce que tu nous montres un petit peu. C'est très sympa. Ouais, il y a plein de trucs dedans. Il y a des. Non, il y a des chaussettes. Non, c'est une chaussette. Oui. Il y a des sucettes. Et le. Il y a quoi d'autre? On va voir un petit peu. Il y a pièces. Il y a plein d'autres trucs. Ouais, montre-nous. Il y a même un jouet en 3D. Ah, il y a un petit jouet? Ouais. Non, je sais pas. Regarde bien. Donc voilà, de ce que je peux voir là, il y a du chocolat et j'ai l'impression qu'il y a aussi des bonbons. Elle a coûté, je crois qu'elle a coûté 2,89€. Et on avait envie de tester. Ensuite, on a quoi d'autre, Sindel? Ben, on a une petite boule de neige. Brrr. Où en fait, là-dessous, là-dedans, il y a des bonbons. Et là, si vous remarquez que ça tombe comme ça, ouais, il y a des petits trucs qui tombent à l'intérieur là. Là, c'est normal, c'est juste que il n'y a pas la glycérine. Alors, glycérine. La glycérine. Effectivement, il n'y a pas la glycérine. Ni un peu d'eau. Ouais, là, et on. Ben, en fait, Sindel va déguster les bonbons. Oui. Ça, on va s'en occuper toi et moi. Sindel va déguster les bonbons. N'est-ce pas, Sindel? Oui, évidemment. Et moi, je vais m'occuper de la boule à neige. Je vais mettre la glycérine et je vais mettre de l'eau pendant que Sindel dégustera ses petits bonbons. Alors, par quoi tu veux commencer, mademoiselle Sindel? Entre les deux, ton cœur balance. Par la boule de Noël? Par la boule de Noël. Par la bombe de neige. La bombe de. Enfin, la machin là. Je suis encore sur la vidéo de Studio Double T. Bon, alors, du coup, qu'est-ce qu'on dit pour envoyer la vidéo? Let's go! Let's go! C'est parti pour la dégustation! C'est parti, mon kiki! Alors, du coup, est-ce que tu vas savoir ouvrir? Est-ce que tu. Alors, attention, hein, regarde bien comment on doit l'ouvrir. On va regarder là. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une indication? J'ai l'impression que Sindel a une petite cochonnerie dans l'œil. D'accord, donc je te laisse faire. Pendant ce temps, nous, on va s'occuper de ça. Alors bon, là, du coup, il y a les instructions. Tiens. Alors ça, c'est de... Tu te souviens où est-ce qu'on l'a acheté? Je me souviens plus. Oui, au même magasin que Aldi. Ah ouais? Là, c'est Aldi, ouais. D'accord. Donc, bon, là, c'est écrit en toutes les langues, donc on va se débrouiller toute seule. Montre-moi ça. C'est une boule. Alors, par contre, la boule à neige, je sais plus combien on l'a payée. Je crois que c'est dans les 2€. Ah, mais non! Ça y est, je me souviens plus. Ça sent bon les bonbons. Ouais. En fait, on l'a acheté chez Leclerc, le petit poney, là. On l'a pas acheté chez Aldi. Et il a coûté dans les 2,49€, un truc comme ça. Oui, alors fais attention. Mais ça sent les bonbons. Ouais, alors fais attention, mets-toi au-dessus de la table parce que je sais pas comment ça se passe ce truc-là. Est-ce qu'il va y en avoir partout ou pas? T'arrives à l'ouvrir? Visiblement, Sindel n'y arrive pas. Ah si, alors vas-y. Bon, si. Je pense que ça doit être... Ouais, super. C'est des petits bonbons comme ça en fait. Et vous en savez rien, c'est des petits bonbons. Ah mais non, d'accord. Hein? Ah mais oui, bah non. En fait, on le remplira pas. Hein. Voilà, ça resterait comme ça, c'est dommage. Ouais, on peut pas mettre la glycérine dedans. Franchement, je suis déçue là. Donc, je pense qu'on renouvellera pas l'achat. Je viens. Heureusement que je suis là. Non. Heureusement que t'es là de rien du tout. Parce que j'ai regardé là aussi, madame. Science infuse. Alors, du coup, on va se concentrer là-dessus. Alors, voilà les petits bonbons qu'il y a à l'intérieur. Comme je vous disais, Sindel. Hein, c'est des bonbons que vous connaissez. Oh, on va goûter. Alors, désolée pour cette manucure déplorable. Je ne trouve plus. On dit sur le banc. Le Nola est passé par là. Ils sont bons. Ouais. En fait, ils sont pas si durs que ça. Ils s'effritent facilement dans la bouche. Ah, moi, c'est dur. Oui, ils sont durs, mais on peut les croquer facilement. Alors, je fais la dégustation avec Sindel. Hein. Alors, comment tu trouves? Ils sont bien, mais... Ouais. Par contre, point positif, c'est bien parce que du coup, ça fait une petite bonbonnière, hein, comme ça. Tiki-tiki-tik. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais déjà, on commence avec un point négatif avec le My Little Pony. On passe à autre chose? Oui.
Bah oui. Ok, bah vas-y, ouvre la chaussette. Let's go. Let's go. En haut, je t'ai fait une petite ouverture, je sais pas si tu as vu. Oui. Voilà. Là, c'est comme ça. Donc, et derrière, c'est comme ça. Alors, pendant que Cynel fait sa petite affaire et qu'elle met tout sur la table, moi, je vous montre la nouvelle acquisition de Cynel. Un petit poney trouvé au vide-grenier dimanche dernier. Voilà, il était original. On s'est dit, ouais, c'est bien, il est trop mignon. Alors, si vous avez le nom, on est preneur parce que nous, on n'a pas du tout le nom. Et c'est le premier en transparence, comme ça, qu'on a. Voilà. Petite parenthèse de fait. Mais ça m'a l'air bien tout ça. Alors, on va enlever la chaussette de là, on va la mettre sur le côté. Alors là, un petit raisin, je ne sais pas du tout ce que c'est. Tu sais pas ça? Ouais, on dirait du slime, mais ça sent. Non, c'est pas du slime. Alors en fait, Cynel, ça c'est de la poudre piquante. Pratique. Allez, on va goûter alors. Ça pique comment quand une tête brûlée? Ben on va voir. Hein. Alors, tu vas nous dire si ça pique ou pas. C'est pas grave si ça tombe partout, hein, c'est parce qu'il est vraiment un rabat. Cynel, la courageuse. Oui, très. Alors. Ouais, ça va. En fait, tu peux prévoir un verre d'eau quand même. Là, j'ai pas prévu. Allez, vas-y. Ouais, ça va. C'est une belle, la petite nature. Bon. C'est très bon. Ouais, c'est bon. Franchement, c'est bon. C'est pas une petite nature, hein. Tiens, vas-y, tu peux remettre le bouchon. Alors, comment tu trouves celui-là? Je pense que les petits copains et les petites copines, vous devez connaître. Hein. Alors, Cynel en met partout, c'est génial. Oui. Bon, maintenant qu'on a goûté toutes les deux, tu pourras le manger directement à la bouche. Hein. Il me semble que j'ai... comment ça s'appelle, là? Que j'ai déjà goûté ça. Oui, je pense qu'on a déjà goûté. Enfin, toi, je pense que t'as... Ah, en spray, oui, non, rien à voir. Bon, d'accord. Allez, on passe au suivant. J'ai eu le même goût. Ah, le goût, c'est possible, oui. Qu'est-ce que tu veux goûter d'autre? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, la petite sucette. Oh, la petite sucette au chocolat. Sucette que vous aurez pu me voir dans un live avec d'ailleurs. Ah bon? Oui. Donc ça du coup, tu sais quel goût ça a? Oui. Ouais. Parce qu'on entend. Alors du coup, on va la couper, hein. On va couper juste les morceaux, on va pas la manger en entier pour la vidéo. Et puis on la remettra dans le sachet. Donc voilà, au chocolat au lait, tout simple. Ça. Mais il a dû souffrir un peu le Père Noël. Ouais, alors, j'espère qu'il a perdu la tête. J'ai pas eu le temps, voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. C'est un Père Noël, c'est ça? Ouais. Ouais, bon, j'arrive pas à zoomer dessus, mais vous me croyez sur parole. Alors, est-ce que ce chocolat au lait est bon? Alors? Ouais. Ouais, j'aime beaucoup. Alors, personnellement, je préfère le chocolat noir. Hein. Le chocolat au lait a tendance à m'écœurer un petit peu quand il est en carré comme ça. Donc j'en mangerai pas des masses. Mais, et bon. Bon, Cynel, tu valides ou tu valides pas? Je valide. Ah, je, voilà. Il le valide. Et le petit raisin, tu le valides? D'accord, donc ça nous fait deux produits de validés. Oui. Ensuite, qu'est-ce que tu choisis? Alors, j'ai vu qu'il y avait une petite tête brûlée. Alors, une ça tête de... brûlée? Je suppose que maman va pas en prendre, c'est là. Bah, si, j'en prends un petit peu. Ouais. Bah, si elle est cassée, tu m'as dit qu'elle était cassée. Oui. Ah bon, tout au-dessus de la table, sinon ça risque de tomber. Ouais, c'est vrai ça. Ben, j'espère qu'elle a cédé. Ah oui, c'est bon, elle est cassée. Ouais. Et là, à la fraise. À la fraise? Montre-nous. Alors attends, je vais regarder quand même le sachet. Tiens, t'as un petit bouquet. Donc alors c'est pas une vraie tête brûlée comme on connaît. Hein. Si. Ah si, d'accord. Ouh là! Tu vois? Oui, d'accord, une vraie tête brûlée. Je n'arrive même pas à vous montrer. Au moins vous l'entendez. Je suis désolée, là on vous fait une séance ASMR. J'arrive plus à parler. Et c'est trop acide. Alors ça la fraise. Mais tu peux. Et ça sert de rouge à lèvres, regardez. Je sais pas trop. Ça y est, je me remets de mes émotions. Alors bon bref. J'ai une tête brûlée. J'allais vous dire, c'est pas la marque tête brûlée. Mais alors moi j'ai l'impression que c'est plutôt la cerise. Ouh. Alors je vais vous dire, les petits copains, les petites copines, j'ai vraiment eu un tout petit morceau comme ça, mais vraiment ça arrache. Hein. Non, mais c'est une danse. Donc pour une vidéo, vous avez eu deux vidéos, une vidéo dégustation et une vidéo ASMR. Oui. Ça pique tellement que c'est un peu. Tiens, vas-y, repose là-dedans du coup, qu'on va passer à autre chose.
n'arrive même pas à l'avaler. Ah bah non, 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 là. Allez, on a reposé la tête brûlée. On s'est bien arraché la tête. Pas trop, moi. Ouais, tiens, pas trop, ouais, c'est ça, mon puzzle. Non, je faisais que laisser parce que c'est un petit peu. Alors, long. Vas-y, choisis ce que tu veux. Ça ? Ouais. Ok, on va goûter ça. Alors, attends, espèce de petite goinfre. Avant d'ouvrir, on va voir ce que c'est. Alors, c'est une sorte de sucre d'orge. Ouais, sauf que c'est tout mou. Ouais, et c'est un bonbon. Oui, ouais, bah de toute façon, le sucre d'orge, c'est un bonbon. Attends, je lis ce qui est marqué dessus. Si j'arrive à faire la mise au point. Voilà. Forcément, j'ai mis à l'envers. Voilà. Alors, ça, c'est du Fini Tornado Fizz. Et je pense alors que c'est en sucre acide. Donc, c'est arc-en-ciel, un petit bonbon arc-en-ciel qui ressemble à un. Si tu veux, je goûte la première là. Ouais. Qui ressemble à un petit sucre d'orge. C'est les doigts pleins de bonbons. Alors voilà ce que ça donne, un petit bonbon tout sucré, tout collant, c'est génial. Je voulais pas le sortir en entier, mais j'ai tout raté. Voilà, je t'en prends un petit bout. Oh là, c'est vraiment très très mou. Hein? Ah ouais. Ouais. Je valide. En fait, la tête brûlée, tu valides ou pas? Non. Moi non plus. C'est bon, mais ça va. Mais c'est trop piquant. Moi je valide pas celui-là, je suis vraiment pas fan. Toi oui? D'accord. Mais justement voilà, on est là pour ça, pour montrer les différents goûts. Alors bon, comme vous l'avez vu, c'est vraiment très mou. Mais c'est pas vraiment piquant. Et par contre c'est très 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 sucré. Non, en tout cas j'adore ça. Ouais bah je vois ça. Faut que je t'arrête pour que tu arrêtes de manger. Alors du coup, attends, je vais le ranger. Bon je vais le ranger là. Donc celui-là aussi, on valide. Ça nous fait combien de produits validés? 1, 2, 3. Ça, je sais pas ce que tu vas pas aimer. Je sais pas du tout. Montre-moi. Du coup, c'est de ça la sent de tête brûlée. Ça sent encore un truc qui va nous arracher la tête. Alors, ouais, si, je pense que ça va nous arracher la tête. Puis en plus, ça va sauter dans la bouche, ça va craquer. Oh non, et non. C'est à la cerise. Moi, j'aime bien quand ça claque, le sucre qui claque. Alors attends, je te l'ouvre. J'aime pas, mais. Enfin, si, j'aime bien, mais justement. Mais j'aime pas trop quand ça brûle. Donc déjà, c'est moins bien. Alors, c'est bon signe. Tiens, je vais t'en mettre dans la main. Cette fois-ci, c'est toi qui commence. Tu veux bien, merci. De quoi? Cette fois-ci, c'est toi qui commence. Merci. Alors, je vais en mettre dans la main de Sindel et ce qu'on va faire, c'est que je vais en mettre. Et alors, Sindel, tu vas faire silence. On va entendre. Je vais vous refaire une séance d'ASMR. Je vais mettre le sucre dans la bouche. Je l'entends craquer d'ici. On l'entend craquer. Bon, maintenant, c'est moi qui vais en mettre aussi dans la bouche. Et je vais mettre à côté du micro. Et silence, Sindel. Et franchement, c'est bon. C'est pas piquant, piquant comme l'autre, hein, l'arrachage de gueule. Là, on peut le dire. Exceptionnellement, mais non, franchement, sinon c'est quand même plaisant. Et moi, j'aime bien le sucre comme ça. Donc, je valide. Sindel, t'arrêtes de te méchouiller. Je valide. Ok, tu valides aussi.